Alors, on est dans la Mishnah, Chavdalet Amudalef, Hamaftir Benavi, Hu Pores al Shma, Vehu Over Lifnei Ateva, Vehu Noset Kapav. Donc, c'est quoi ça? Alors, Hamaftir Benavi, les Chachamim, ils ont fait une takana, qui est la personne qu'il était prévue de faire les maftirs, ou bien les rachats, il dit qu'il camirait, c'était quelqu'un qui était habituel. C'était le mémouné à la maftir. Donc celui qui a d'habitude l'alia des maftirs, on lui donne quelques kiboudim. Kiboud Rishon, il est pour Esalshma, donc il dit les Yotzer, les Baruch, etc. Kiboud Cheni, ou envers les fenêtres, il va y faire la Hazara. Kiboud Shlishi, vous n'en savez être capable. Il va faire un essayat de kapay. Alors, disons, on va être hasard, pour être sérieusement, on comprend, mais nous sommes capables de pelle. Manafar, s'il est Kohen, mais vadaï qu'il nous sommes capables. Et s'il n'est pas Kohen, de quoi il s'agit? Le Choutzmizé, est-ce qu'on va dire que c'est lui tout seul qui va faire un essayat de kapay, mais les autres, ils ne vont pas faire un essayat de kapay? Ça ne commence même pas. Un essayat de kapay, c'est mitzvah tassé, alcool Kohen, mais varer. Donc, ce n'est pas possible de dire qu'ici, c'est. Juste lui qui va le faire. Alors il y a là-dessus Kama Terutzim. Arashash Metaretz, d'après la Sugya de Brachot de Flamedal et Amudalef. La Sugya de Brachot, il y a marqué là-bas, Kishliach Tzibur et non Noset Kapav. Là, exceptionnellement, on a accepté que la personne il est envers les Fnei Teva, on a accepté quand même qu'il va faire Nesiat Kapai. Là, le Pérouche de Rachash. Pour ce Yom Tov, il est mefaresh qu'il y avait chez les Kohanim à l'époque un minag, qu'il est Kohen Choubad, il était celui qui a commencé à prononcer les mots Yevarechecha, ou il a commencé la bracha, et c'était cette Kohen Choubad qui était le dernier qu'il a dit. Et c'est ça le pérouche dans la Mishnah ici, Vehu Nosé et Kapav. Le Tu Even, il dit un terouz, c'est un terouz fort, mais il est d'achouk meod. On parle ici des Bet HaKnesset Shekula Kohanim. Bet HaKnesset Shekula Kohanim le dit nous qu'il y a un qui monte et qui fait Nesiat Kapaim, et il y a 10 qui restent en bas pour écouter les Nesiat Kapaim. Donc, chaque semaine il y a un problème, chaque jour il y a un problème qui soit le Kohen qui va faire les Nesiat Kapaim, et on dit que c'est celui qui fait le maftir. Maintenant, il y a le Pérouche, il y a deux avant Fonsa Meod, c'est la Netziv. La Netziv, il est Mefarech, qui en a fait comme ça. Il y a maintenant 5 Kohanim qui montent. 7 Kohen Maftir pour Esalshma de Rover Lifnei Ateva, lui va faire Birkat Kohanim à voix haute. Et tous les autres Kohanim vont écouter ce qu'il dit, et ils sont Yotzem Idim Shomea Kyone. Et il y a là-dessus une tchouva très intéressante dans le Sefer Eshit Bikurim de Rabbi Tzalel Kohen, celui qui l'a de Agaot après la Gemara. Et lui, il raconte qu'il était en visite à la communauté de Trieste en Italie. Et c'est là-bas qu'on lui a fait le kavod d'être le Kohen à Omer Bekolram, et tous les autres Kohanim étaient Yotze de Birkato, Midin, Shomea, Kyone. Comme ça, il raconte le Betzalel à Kohen. Donc on voit que cette minaga existait quelque part. Alors, Mefoussam, chez Abet Alevi, Cholek Azevichol Tokifeoz, le Bet Alevi, il dit qu'il est impossible d'envisager des kiyum de mitzvot Nesiat Kapayim, de Birkat Kohanim, avec un Kohen qui va le dire, et tous les autres Kohanim vont juste écouter. Lama, ce que dit le Bet Alevi Kacha. Le din de Shomea Kyone, ma perusho. Moi, je écoute, et ça compte comme qui j'ai dit. Mais le Birkat Kohanim, il y a marqué dans la Gemara, Kotomar, Rechule, Amor Lahem. Amor Lahem, la Gemara, elle est d'oresh Bekol Ram. Bekol Ram veut dire à voix haute. À voix haute veut dire que chaque Kohen, il doit dire sa bracha à voix haute et pas à voix basse. Ça veut dire qu'ici, il n'y a pas seulement un din amira, il y a ici un din de quoi? De voix haute. Cette din de voix haute, il est impossible d'accepter qu'un Kohen, il va le transmettre aux autres, parce que là-dessus, il n'y a pas de din shomea kyone. Din shomea kyone, il y a sur un amira be'alma. Mais cette amira, ce n'est pas une amira dans laquelle la Torah, elle a précisé qu'il faut quoi? Kol ram. Comme je vous ai dit, ça ressemble à ça que je vous ai dit au nom de Tzofnat Paneach. Que à Serb Neaman, il faut leur dire comment, Beneshima, Achat, un seul souffle. C'est pour ça qu'il y a les minag
dans beaucoup de communautés, que le tzibour, il va réciter aussi à se redonner à main. Lama, parce que les balcorés, ils peuvent être motziotam bema, ba kriya, ba dibour. Mais ils ne peuvent pas être motziotam ben ishimachat, on ne peut pas être motzi des souffles. Si un din de faire un seul souffle, là-dessus, on n'a pas, on n'est pas sauvé, même avec les din de Shomia qui on est. En col panim, cette machloket est une grande machloket entre les netzi et les bêta levi. Est-ce qu'il y a din Shomia qui on est, bekol ram? Et, kamouran, cette machloket, elle dépend de la grande discussion qui entre achronim, de arbe et komot, c'est le chazunish qui parle de ça, le siman chavtet, et od. Est-ce que Shomia qui on est, perusho, qui vraiment les dibour de l'autre, c'est comme qui je l'ai dit moi-même? Ou est-ce que Shomia connaît pour ça que la Torah ne me chalèche et que Shomia ne m'explique qu'il nous aime? Si je dis qu'il est du bourg de l'autre, il est transféré vers moi, on peut encore envisager qu'il même les Kolram, il est transféré. Mais si je dis qu'il est digne de Shomia qui en est, c'est juste une halakha qui dit qu'il y a il faut faire on est, ça veut dire de dire. Mais la Torah, elle a dit qu'il m'explique l'yot Shomia. Alors quand est-ce que je dis qu'il m'explique l'yot Shomia quand on n'a pas besoin des Kolram? Parce que là, la Shomia, il peut compter comme on est, mais ici, ça ne peut pas marcher. על כל פנים נחזור למשנה. מנטנו, ואם היה קטן, אסי סלי קימונטו ההפטרה היא לקטן. דוקונה תומבה, לא לא. פסקטו לכיבודים פרסדון, התפספר בקטן. אז מה עושים? אביו או רבו עוברים על ידו, אומבה דונה לכבוד הכי, אסומפר וביין אסומטר. לתור אבן אלה מחדש, כי אסי סומפר היא לא רע לפריוריטי פרפו אסומטר. Malgré qu'il a dit Aveida Taviv, Aveida Trabo, Aveida Trabo Kodemet. Mais ça, c'est une dîme miyuchad d'Aveida. Mais ici, le Pérouche, il est qu'il est katan. Il a un droit. Et maintenant, il s'agit de la question qui c'est qui va hériter ce droit. Le droit d'être ouvert, le Fnatéva, le Koule, le Koule. Alors là, c'est plutôt mistaber que celui qui est yoré, c'est un katan, c'est le rabo, et la Kodem Aviv. Seulement, si Aviv, il n'est pas là, alors c'est là qu'il est rave, il va prendre le kiboudi. Katan kore ba Torah ou metargem. Katan, il peut faire kriyat la Torah et il peut faire le targum. Pour toutes les deux, on est d'accord. Ktsat caché, si on a dit kore ba Torah, bevadai l'ichora qu'il est metargem, parce que metargem c'est moins chamour que kriyat la Torah. Yachol leot qu'il y a quand même un chidouche, parce qu'on pourrait penser qu'il est katan, il va s'embrouiller avec le targum. Le targum c'est quand même compliqué. Alors on pourrait penser qu'il est katan, il va s'embrouiller, comme Ashmalan, qui même le targum, on peut lui faire confiance. Aval, Eino pores al Shma, Eino over lifne ateva, il ne peut pas être motzi et atzibur yedei chovato parce qu'il n'est pas mechouyav bedavar et kolche mechouyav bedavar et n'echo lotzi acherim yedei chovatan, Eino noset kapav, et il n'a pas le droit non plus de faire nesiat kapai. Lama, למה? די רשי אין כבוד של ציבור להיות כפופים לברכתו. אני אומר, לציבור, כנופה ברכת כהנים, תול מונד יספלי דבון לכהן, אלה קוץ הברכה. אלור, סספה פס ישתמו, כי לציבור יבא ספליה דבון כי? דבון אין קטן. זה פעם נורמל, כי לציבור יבא ספליה דבון קטן. נורא לרשי איסר לריף, יא אין נוט ורסיון, אלא בעיה מרקה. כי כל ספי הריבי כי הוא עפר ברכת כהנים בשם המפורש, וזה זה קצת פלא, פס כי לכאורה ספי דווקא בבית המקדש, ותנושא המקדון לרשי שבריב, הלא, הוא פפה אקספטי כי אם קטן ליבה מורשיוני לשם המפורש. זה מפני גבות ציבור. זה זה רשי אישי. היה רשי שיר לריב, כי ביקסה הכוס בשם המפורש. זה שני פירושים. פוחח, פורס את שמה. הוא מתרגם, אבל אינו קורא בתורה. מה זה הפוחח? רש"י אומר, במסכת סופרים מפרש, כל שקרעיו נראים, זה כלכל קהילה דה שורט, קהילה דה פונטלון קורט. נוקסי ספיה איסון ויזיל, אלור נקספט רפא כי וליר לתורה, נאופי אקספטי כי ופר פורס על שמה, כי ופר לתרגום. ואינו עובר לפני התיבה, אילה פל דרועה נופלו דעת שליח ציבור דעת חזן נפר לחזרה, ואינו נושא את כפיו, ואינו פליפר נשיאות כפיים. למה אינו קורא בתורה, אומר רש"י, משום כבוד תורה, וכן לפני התיבה וכן בנשיאת כפיים, גנאי הוא לציבור. זה דלאון כבר לציבור, כי כלכר קונסה, אין רוב פרזנט לקומינותה. פורס את שמה, הוא מתרגם, זה מון פרזנטטיף. זאת אומרת, זה פורסק סנוז'ן בפמון.
Souma, l'aveugle. Pour rester Souma, on met un guet. Le Souma, il peut faire pour rester le Souma, il peut faire les Tav. Mais les créateurs, il ne peut pas faire parce qu'il devrait être Bertav, il y a Tarasa, il l'aura en Balpé. Même si c'est aveugle, il connaît par cœur tout le Khumash, il ne pourra pas faire créateur. Rabbi Yehuda Omer, comme cela aura un Europe ni un Av, il ne pourrait pas le Souma. Rabbi Yehuda, il dit un aveugle de naissance, qu'il n'a jamais vu de la lumière des jours, alors il ne peut pas faire pour Esalzma. Pourquoi? Parce que dans pour Esalzma, on parle de Yotzer HaMeorot. Mais comment il peut faire la bracha de Yotzer HaMeorot s'il n'a jamais profité des Meorot? Alors, tout ce qu'il est marqué, c'est Rabbi Yehuda, il dit hier, dans la Gemara Babakara d'Av Peizayim, c'est Souma Patour Mikol HaMitzvot. Donc, si Souma il est Patour Mikol HaMitzvot, de l'Avachi, il ne peut pas être Motsi Tatsibur et Dechovato. Rabbi Yehuda, il dit ici que celui qui est Souma de naissance, il ne peut pas être Motsi Tatsibur. Mais je ne sais pas si il est Souma de naissance ou non. De toute façon, d'après Rabbi Yehuda, Souma il n'est pas tourné comme la mitzvot. Il ne peut pas être Motsi le Tzibur. Alors, tout ce que le Metaretz, que malgré que Rabbi Yehuda a dit que Souma il n'est pas tourné comme la mitzvot, ça c'est Midoraita. Mais c'est pas chute que Rabbanan, ils ont mis un chiouv sur le Souma d'être de mitzvot Midrabanan. Parce que sinon, dit tout ce que, alors, cette Souma pauvre, il est comment? Il est kenochri, velo yebonoeg dat yudiklal. Parce que bishlomar les femmes, ils sont ptourot mes mitzvot, assez chers mangrama, mais il reste quand même pas mal de mitzvot sur lesquels sont chayavot. Mais si on va dire que le Souma, il est patour le gamre, alors il est chashuv keba, il est chashuv mamesh, comme un goy. Dit osfot, le prisat, Shma, c'est seulement Midrabanan, pour être Shma, et donc même si le Souma il chayav rak Midrabanan, il peut être motzi et tzibur et dechovatam. Bah, dit Rabbi Yehuda, si le Souma de naissance, on ne parle pas. Alors, Maïtama. Maïtama, ça revient au début de la Mishnah. Au début de la Mishnah, on a dit à Maftir Benavi, on va lui donner trois kiboudim. Pour être Shma, offrir le fnei ateva, ven, nosé et kapap. Maïtama. Rav Papa Amar Mishum Kavod. On cherche à lui donner des Kavod. Mais Rashi, l'ama tzarich Kavod. L'avir l'ifne ativa, o ilu mamtsi atzmo le davar she'eino kvodo, tiknu lo zu le Kavod. Donc Rashi, l'a l'air de dire que de lire le maftir, c'est pas Kavod. De lire le maftir, c'est pas Kavod. Ve tiknu lo vishvize le récompenser le manque de Kavod. Alors on l'a récompensé avec quoi? Avec ces trois choses qu'on va lui donner. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, les gens ils se disputent sur les maftirs. C'est contraire. Mais là on voit les Chora qu'à l'époque de la Gemara, c'était pas comme ça. Alors ben mec, il faut dire que toute cette première partie de la Mishnah, elle n'est pas citée ni dans le Rambam, ni dans le Tour, ni dans le Shulchan Aruch. Qu'on dirait que cette réalité de vie dans laquelle les maftirs n'étaient pas mechoubad, elle était arrêtée déjà à l'époque de Rambam, Tour, le Shulchan Aruch. Et c'est marqué qu'il est rêvé de Khatam Sofer, qu'il s'est mis le Khatam Sofer lui-même dans une tchouva, qui est Ramnos Nadler, il a monté chaque Shabbat au Maftir. Il était médagdek de monter chaque Shabbat au Maftir. Donc, on dirait, un délai, ou bien il a pensé qu'il Maftir, c'est d'avoir Khashoggi, il était Kohen, normalement. Kohen, il peut monter au Maftir, il a monté chaque Shabbat au Maftir, le Khatam Sofer était moins ça. Khatam Sofer, l'Ozaza Yado, Mitoch Yado, il a resté chez lui des années, il a vécu chez lui à la maison. C'est pas quelqu'un qui vient, qui revient, hein. Il était à l'internat chez lui, à la maison. Donc un dédé, ou bien Rav Nos Nadler il pense que Maftir c'est Khashoggi, ou bien il voulait faire exprès, parce que Maftir c'est le Khashoggi. Alors il a pitié sur la Aliyah, il a pris. Mais moi je pense que plutôt le Pshat il est que Maftir c'est Khashoggi. Maintenant, il y a une deuxième chose qui est marqué dans le Nimuki Orachaim des rêves des Munkat, dans Siman Reish Peibet. Là-bas, il y a marqué qu'en vérité, peut-être le Maftir Mitzad Datsmo, il est là comme Kachashuv, mais il y a un Chashivut, c'est les Brachot. Parce que le Maftir, il fait beaucoup de Brachot. Et Shabbat, on a toujours un problème de la Brachot. Avec le Maftir, on peut gagner et découvrir comme avec un Brachot. Donc c'est pour ça, peut-être, les gens, ils sont excités là-dessus pour gagner les Brachot. Aval Banetsiv Kan, Katou, Aefir. Et Tziv, il n'est pas d'accord avec Rashi, et il dit qu'il maftir, ce n'est pas évident. Parce que les textes de Chumash, les gens, ils connaissent encore. Les textes de Lévi, ils ne sont pas tellement connus chez les gens. C'est pour ça que pour faire un maftir et pour les préparer bien, et les faire correctement, avoir un certain niveau. Et donc, justement,
les niveaux ici de la personne est plus élevé, parce que son niveau est plus élevé, alors on va lui donner d'autres kiboudim, parce qu'on sait qu'il a fait un effort de lire les maftirs bien comme il faut. D'après ça, il sort qu'il dafka pour donner maftir, c'est pas à n'importe qui. Il faut se rassurer qu'on donne maftir à quelqu'un qui sait les lire correctement. Surtout à l'époque de la Mishnah, qu'ils ont lu dans des sfarim, des klaf, son voyelle, et on devait bien connaître la lecture, on devait se bien préparer, donc on lui donne une récompense parce qu'il a travaillé beaucoup. Al kol panim, ça c'est la première partie de la Gemara, Mishum Kavod. Rabba Bar Shimi Amar, Mishum Dati Leintsuye. Ça risque de créer des histoires dans la communauté. Il y a un qui va dire qu'il y a déjà une maftir, alors moi je vais prendre envers les Fnei Ateva. Ça va se terminer pas bien. Alors c'est pour ça, on a vu Beneinu que les gens pour la Chazanout, ils sont d'accord d'être Ma'abed Chelkam La'olam Haba. Alors. Et c'est clair qu'il s'est beaucoup mieux, qu'on est en train de faire des arrangements. On dit voilà, celui qui fait le maftir, il monte, il fait, et c'est terminé. Alors on est gagnant qui n'est pas l'insuyé. Maï benayu, maï nafkamina, si la raison elle est kavod, ou si la raison elle est insuyé, ika benayu de avid, bechinam. Si quelqu'un il fait ouvert les fnei ateva, il est ouvert les fnei ateva, bechinam. Alors des disputes. On peut trouver des disputes, même pour Bechinam. Le mérite ou le plaisir d'être Hazan, il vaut beaucoup. Mais ce n'est pas une question, c'est pas une question de Kavod. Alors, parce que normalement, le Shalir Tzibou, il était payé par la communauté. Mais bien sûr, c'est tous les gros Shalir Tzibou est basé là-dessus. Nan, vim aya katan, arrive au rabo, vrim aliado. S'il était katan, c'est son père ou son rav. Rambam il dit, c'est qu'il ou beatsmo over. Si c'est le rav ou le av qui est over, bim koma talmid, bim koma ben, c'est mamesh. Qui gouffre, c'est un chidouche, c'est Rambam. Qui Rambam il prend ça comme un madriga chava. Qu'il ou beatsmo over. Il y a marque, monsieur Netsuye. Katan bar netsuyeu. Si tu dis dispute, je comprends, parce que les katan, ils peuvent se disputer aussi. Elamai, mishum kavod, katan bar kavodu. Katan, il ne sait pas encore qu'est-ce que c'est kavod. Les katanim, ils n'ont pas compris encore l'histoire des kavod. Réponse, elai ka kvod aviv et kvod rabo. Alors, il y a kvod aviv et kvod rabo. Achanam, il y a ka netsuye aviv et netsuye rabo. Même si les katan, il n'a pas le courage de se disputer avec les gens de la communauté pour leur dire, voilà, je vais. Et faire ouvrir les fnateva parce qu'ils peuvent lui dire qu'il y a katan qui est pas tour, donc il n'y a pas d'insuyé, mais il y a l'insuyé, mitzad mi, mitzad aviv, mitzad rabo. Pocheach pores al sma, bay mine oula barav me abaye. Katan pocheach maun fikra ba Torah. Quel est le din si un katan pocheach il peut lire la Torah? Expliquera si ma pitom oui. Si pour les gadol on a dit que gadol pocheach lo ikra ba Torah, pourquoi est-ce que cette réduction katan pocheach? Expliquera si. גדול פוחח הוא דאסור משום ולא יראה בחייר בדבר. אבל קטן אינו מוזר. עוד דילמה לא פליג מתנית עם בין קטן לגדול. זאת באמת פשטות הרצון ברשי קשה מאוד. אז כזה משמע מרשי כי אין איסור שלא יראה בחייר בדבר. סיוב אדיר שממש ולא יראה בחייר בדבר הוא ועמל כמו אסקה לקטן ליבה ליר לתורה בגילוי ירדה. C'est pshita que c'est pas kvod ha-tzibur. Ken mouzar, lo mouzar, ze lo mshane shum davar. Comment est-ce qu'on accepte que quelqu'un pareil, qu'il est tout nu, il va nous lire la Torah? As diz l'achronim, ki rashi le pa mechaven, ki le gamre nu, mais presque. Voilà. Très, très court. Et tu vois, il y a un où il est le din de shomea qui on est. Même si le katan il est non mouzar, mais si je fais chomea qui on est, alors c'est quelqu'un qui est ba'le rva, qui il va lire pour qui? Pour moi, je ne sais jamais si il est mouzar ou pas. Alors déjà hier, je vous ai dit les issues de Ramesh Soloveitch, que Kriyat HaTorah ne nécessite pas chomea qui on est, les dignes de chomea qui on est. Pour Kriyat HaTorah, il suffit quoi? Chomea tout seul, d'écouter, c'est l'imoud. Al kol panim, amar le vikibay la harum, est-ce que tu veux me dire aussi qu'un katan qui est carrément harum, tout nu, il peut aussi lire la Torah. Arum, maïta, malo, mishum kvod tzibur. Achanami, mishum kvod tzibur. Donc c'est vadaï qu'ici, il est tout nu, il ne va pas lire parce qu'il ne sait pas kvod tzibur.
même s'il est pour Réar, mais l'homme ouzar, ça veut dire qu'on n'a pas tellement à faire attention. Peut-être que l'homme ouzar ici, il est lave d'Afka du fait qu'il n'est pas bar mitzvah. Mais l'homme ouzar ici veut dire qu'un petit gosse de 10 ans, c'est normal qu'il aura des monstres courtes ou des pantalons courts. C'est ça la Kavana. C'est pour ça qu'on a pensé qu'il peut-être il n'y a même pas un manque de quoi, de Kavod Tzibour. Parce que par rapport à une personne à cet âge-là, un katan à cet âge-là, c'est pas si fou que ça. Kamas Malan, qui même ça, c'est un manque de Kavod Tzibour. Souma pour Esa Ousma. Tania, Amroulo le Rabbi Yehuda. Arbe tsafou lidros ma merkava velo raou tamime. On a dit à Rabbi Yehuda, il y a des gens qui sont tsofés ba merkava. Mazet tsofés ba merkava, c'est-à-dire qu'avec les yeux de Sechel, avec les yeux intellectuels, ils ont bien vu qu'est-ce qui se passe là-haut sur les troncs d'Hachem, à côté des troncs d'Hachem. Et on appelle ça tsofé. Ça veut dire qu'on voit bien de là que quand on parle de riya, on n'a pas besoin d'avoir un riya physique, il suffit d'avoir un riya de compréhension. Alors si ici, il est conscient qu'il y a du soleil, il y a de la lune, même s'il est avec des naissances, il peut faire la bracha de Yotzer HaMeorot. Mais Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda, « Atam be'avneta delibata liyamilta, ve'akamicha ve'en liyada. » Là-bas, pour les tsofé b'ma'ase merkava, enochinami, tout ça, ça dépend de quoi? Ça dépend de la Havana. L'Ikar, ce n'est pas avoir un exposé des troncs d'Hachem, l'Ikar, c'est de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces images qui est le Machal de Navi Yechezkel nous raconte dans son premier chapitre. Aval, ici, ça ne dépend pas de ça. Haha, Mishumana'au, quand on fait la bracha de Yotzer HaMeorot, c'est parce qu'on profite de la lumière. Mais lui, il va l'être l'Ana. Et lui, il n'est pas même. Les Rabbanan, qu'est-ce qu'ils vont répondre sur cet argument de Rabbi Yehuda, qui est le roi très fort? Réponse, Itle, Anna. Rabbanan, ils disent même, les Souma, il a bien Anna. Pourquoi il a Anna, qui est Rabbi Yossi? Tani, Anna, Rabbi Yossi, Kul, Yamai, Haïti, Mitzter, Al-Mikrazé, Vehaïta, Memashesh, Batsoraim, Kacher, Imashesh, Haïver, Bafela. Donc, la Tochacha, il y a marqué dans le parasha qui t'avoue. Le Dosh Baruch Hu, il dit, vous allez vous trouver dans une situation dans laquelle même à plein jour, à midi, vous allez palper comme, tâtonner, comme il fait l'aveugle, toujours. Quelle différence il y a pour l'aveugle, si c'est afela ou si c'est aura? Et là, il devait dire tout court, kacher, il m'achète, c'est hiver. On ne devait pas préciser, bah afela. Ah, tu vas m'asser, il a dit... Une fois, j'étais justement dehors, raconte Rabbi Yossi, et c'était en pleine nuit. Je vois un aveugle qui va sur la route avec une torche à la main. Martino dit, avoukazou la malecha, t'es pas aveugle par hasard, c'est à quoi il sert qu'il y ait une torche, tu vois rien de toute façon. A Marli, il m'a expliqué, quand j'ai les torches à la main, les autres, ils me voient. Et quand ils me voient, ils m'attirent, ils vont me sauver de tout ce qui peut m'arriver de mal, que moi je ne peux pas voir de tout. Et les autres, ils voient qu'il y a un trou dans la terre, qu'il y a des épines, qu'il y a d'autres obstacles qui risquent de me faire tomber. Donc ils m'avertissent, ils se lèvent, voilà, il y a un pierre devant vous, faites attention. Donc je suis gagnant. À sauf. Sauf, l'aveugle, il est né une minamehorot. Parce que quand il fait jour, il n'a pas besoin de se promener avec une torche. Parce que les autres, ils vont lui avertir, même sans les torches. Donc il est bien né. S'il est bien né, il peut faire la bracha de Yotzer HaMeorot. Dans le Rambam ici, il y a marqué. Dans Pirush HaMishnayot, qui même l'aveugle, il profite du soleil et de la lune. Parce qu'on sait que le soleil et la lune, ils font, à part la lumière, d'autres choses. Les Machal. Les fruits vont mûrir grâce au soleil et grâce à la lune aussi. Oui, meged geresh irachim. Quand je dis qu'il a levana, elle l'aide, le bichou, la pérote. Manqué dans Chazal. Mais Meile, l'aveugle, il doit aussi dire Yotzer HaMeorot, parce qu'il profite aussi du soleil et de la lune. Et les Sfatimet, il demande, mais dans la Gemara, il y a marqué autre chose. Dans la Gemara, on parle justement du fait qu'il est néné min HaMeorot. Dit le Rosh Yosef, le Rambam, il a compris justement que la Gemara, il donne ça comme un exemple, mais en Ochinami,
La Kavana de la Gemara, elle est qu'il est sous Maïlenen, et ça l'écart. Quelle Anaha on peut trouver? La Gemara, elle a donné une Anaha extrême. L'Anaha qui peut être Nene dans la nuit d'une torche, donc il peut être Nene Bekalva Homer dans la journée de soleil. Mais peut-être qu'il y a d'autres Anaha autres. Dans le Sifté Chachamim, ici, il y a marqué, c'est la Braïta, marqué Tanya Amar Rabbi Yossi, Kol Yamai Haiti Mitztaer Al Mikraze. Les Sifté Chachamim, regardez quelle Ahava de Torah, quelle Ahava de Torah ils avaient le Tanaïm. Quand nous, on a un Pasuk, on n'a pas compris les Pasuk. Ça nous fait de la peine. Combien? Combien de temps? 2 minutes? 5 minutes? Si quelqu'un va s'embêter là-dessus, 2 minutes, il est déjà tzadik. Dit la Gemara, Amar Rabbi Yossi, Kol yamai hayiti mitztaer al mikra ze. Rabbi Yossi s'élève le matin et il tombe directement dans l'angoisse. Et en se couchant, il va mal. Il n'arrive pas à s'endormir parce qu'il n'a pas compris les pasouks qu'il dit à Iver Bafeila. Il va mal. Il n'est pas bien. Sifté Chacham. C'est comme ça qu'on devient chacham, justement. Quand on souffre, quand on n'a pas compris. Quand on souffre, quand on ne connaît pas la Torah. En réalité, les tests pour savoir si on aime quelqu'un, c'est très simple. C'est de s'éloigner de lui et de voir s'il va nous manquer. S'il ne nous manque pas, ça veut dire qu'on ne lui aime pas. On se débrouille sans. Si on n'est pas mal quand il n'est pas là, ça veut dire qu'on ne lui aime pas. Mais si on lui aime, on sent ça justement quand il n'est pas à côté de nous, quand il n'est pas à proximité. Et c'est ça le signe de Ahavat Torah de Rabbi Yossi. Kol yamai hayiti mitztaer. Dit la Mishnah, Kohen sheyesh bidom umim lo yisa et kapav. Kohen sheyesh bidav mumim, excusez-moi, lo yisa et kapav. Un Kohen qui l'a sur la main des mumim, il ne faut pas qu'il fasse Nesiat Kapaim. Lama Omer Rashi, le fils de Am Istaklimbo. Parce que le fait qu'il a des mains un peu bizarres, ils vont attirer les yeux de qui? Des gens. Ve Amrin Amersechet Chagiga, Am Istakel Bekoani, Bishal Shenosim et Kapaim, Enav Keot, le fils de Shchina Shora Lede. Bikitsur, il met en danger la communauté. Cette Kohen, qu'il a des mains étourdies, il met la vie des gens en danger. Et Tosfot, il n'est pas d'accord avec Rashi. Et il dit, si les gens ne regardent pas, ils ne voient pas les mains des Kohanim, mais c'est tout. Si les gens ne regardent pas parce qu'on leur dit justement qu'il ne faut pas regarder les Kohanim pendant la bracha, alors ils ne vont pas voir de défaut non plus. Où est le problème? Et c'est pour ça que Tosfot, il explique autrement. Tosfot, il explique que quand les gens ils vont voir les Kohanim monter avec les mains tordues, ça risque de leur perturber. Après, ils ne vont pas y avoir la kavana de se concentrer pour bien recevoir la bracha des Kohanim. Comme ça explique Tosfot. D'après cette Tosfot, dit le Dvar Avram, Bechelek Aleph Siman Lamed Aleph, qu'on voit les Chora qui Tosfot est sauveur, qui de même qu'il y a une mitzvah sur les Kohen Levarech, il y a une mitzvah sur l'Israël Lehidbarech. Parce que si on va dire qu'il n'y a pas une mitzvah sur l'Israël et le Barer, on n'est pas là pour s'occuper des perturbations des gens qui seront perturbés. Celui qui va se perturber va cacher. Rabbi Yehuda Omer, Af mi shayu yadav tzvuot satis lo yisa et kapav. Mipnei she'am mistaklim bo. Donc c'est le même din aussi si la personne il est peintre et ses mains ils sont tachetés de toutes sortes de peintures. Il ne faut pas qu'il fasse Birkat Kohanim avant qu'il nettoie les mains. Notre mère Shapira, elle était nommée Rav dans la première communauté, je crois qu'il était Rav. Il a vu que les gens ils font une siette kappa. Il est parmi eux, il a vu quelqu'un de Chalalé Shabbat qui monte comme ça, comme qu'il n'y a pas de problème. Il a monté sur la Teva, il a dit, c'est marqué dans la Mishnah, Afmi Shayu Yadav Tzvuot Satis, Loïsa et Kapav. Ven Lechamish Yadav Tzvuot Yotermi Shechilel Shabbat Beyadav. Il a descendu de la Bima. Tana. Dit la Braïta Moumim, Shamrou, Bepanav, Yadav et Raglav. Quand là, on a parlé ici dans la Mishnah des Moumim, c'est la Vlavka Yadai, c'est autour d'avoir Beraglaïm, c'est autour d'avoir Bepanim. C'est moi, je plutôt comme les Tosfot, parce que les Panim des Kohanim, ils sont certainement couverts pendant la Bracha. Amar, Yeshua Ben Levi, Yadav Boakaniot, Loïsa et Kapav. C'est lui qui a des. Comment ça s'appelle? Des lentilles. Hein?
Non, non. Lentilles. Celui qui a des lentilles, l'œil ça être capable, parce que ça attire aussi les yeux des gens. Tananiach, il y a d'abord caniot, l'œil ça être capable. Akumot, akushot, il a les mains tordues, l'œil ça être capable. Amaravasi, chefni ou bishni, celui qui vient de la ville Haïfa ou de la ville Bet-She'an, l'œil ça être capable. Il ne faut pas qu'il fasse le siège de capaille. Pourquoi il ne faut pas qu'il fasse le siège de capaille? Ces gens-là, ils ne prononcent pas bien les mots. Ils étaient mal éduqués. Tanya Namiachi, en Moridim Lifne Ateva, là on ne parle pas de Messiat Kapay, on parle de Chazanim. Alors en Moridim Lifne Ateva, l'on se bet She'an, l'on se bet Haïfa, l'on se Tivronin, c'est aussi une ville. Lama, Mipnei se korim le Alfin Aïmin ou le Aïmin Alfin. Ils ne savent pas prononcer la différence entre Aleph et Aïm. Alors il y a deux Asitatataz. Qui, ça s'est dit quand c'est lui de Haïfa, il est ailleurs, dans une ville qui on sait où il prononçait la différence entre Aïn et Aleph. Aval, Haïfaï be Haïfa, quelqu'un qui est Haïfni, mais il se trouve dans sa ville propre, donc à Haïfa, il fait son problème monter, parce que de toute façon, tout le monde là-bas, ils font comme ça, donc ça n'a aucune chisaron. Alors là, il dit que quand on prononce mal, il y a en vérité des problèmes. Premièrement, si on dit à la place de Ya'er Hashem Panavelecha, Ya'er Hashem Panavelecha, Er, c'est Rogez. Et donc, à la place de Or, de Ya'er, ça devient Ya'er. Et là, Pérouche, qui, on demande qu'Akadosh Baruch Hu, il va réveiller son colère contre Israël, Chas V'Shalom. Et deuxièmement, dira qu'il y a ici un manque de respect dans la tfila, parce qu'on est pogem tfilato. Quand la tfila elle est mal exposée devant Kadosh Baruch Hu, mal prononcée, c'est pogem la tfila. On y canne tochachat megula à ceux qui font la tfila trop vite, parce que c'est sûr que quand on fait vite, on prononce mal, c'est évident. Alors suite à cela, la Gemara raconte une histoire qui plutôt il est très bizarre. Amar lei Rabbi Chia le Rabbi Shimon ben Rebbi. Rabbi Chia il a dit à Rabbi Shimon ben Rebbi, il m'a le atal levi, pasul atal min adouchan, mishum de avi kalach. Après, il était l'élève de Rebbi. Il dit au fils de Rebbi, le fils de son rab, tu sais, heureusement que tu n'es pas Lévi. Parce que si jamais tu étais Lévi, tu ne pouvais pas chanter au Beit HaMikdash. Pourquoi? Parce qu'il y a une voix trop grave. Donc tu es pasul le Shira. C'est, si jamais tu étais Lévi, il n'est pas Lévi, alors qu'est-ce qu'il lui dit après? C'est hypothétique, c'est rien du tout. Et de là, comment est-ce qu'on comprend que quelqu'un comme après, il n'a pas d'autre chose à dire au fils des Rebbi, que là, tu es un voix grave, tu ne sais pas chanter, tu es nul. Qu'est-ce qu'il fait après? Ah, t'as marre de la bois. Il va comme un petit gosse voir son père Rebbi. Il lui dit, voilà qu'est-ce qu'il m'a raconté, qu'est-ce qu'il m'a dit Rabbi Chia. À Marley, Rebbi, il a l'air de prendre ça avec beaucoup de sérieux. Et il lui dit, Zilei Malei, va lui dire, Kshata magiat sel vechikiti la Hashem l'onim tseta mecharef ou megadef. Quand toi tu arrives au verset qu'il dit, vechikiti la Hashem, j'attends. Si on attend quotidien à l'arrivée d'Hachem, tu es Mecharef ou Megadef, parce que tu ne vas pas dire Chikiti, tu vas dire quoi? Chikiti. Parce qu'il ne savait pas différer entre le Chet et le Hei. Donc voilà, tu es Mecharef ou Megadef. Donc Rebbi, il a appris son fils, Rabbi Shimon ben Rebbi, qu'est-ce qu'il faut répondre à quelqu'un qui lui dit une chose pareille? Il est plot. תוספות היא למק שקשה. כיוון שלא היה יכול לומר חטא, אם כן האח הורידו רבי לפני התיבה כשגזר תענית, כי דהית בסוחר את הפועלים. לגמרא דרקונט, כי רבי לימם, אלא נומר רבי חייא קום חזן, ומומד עצירת גשמים. לגמרא דרקונט לבא, כי לקום עושה לעמידה, דקי ילדים השיעו הרחום הוריד הגשם, לפלוי אטום ב... דוק סיל סיפה פרונונסה קורקט אמו, אלא מחרף ומגדף כמו ספק, אלא לחזן פרפרי דרבי. Il est le chilach tzibour préféré de Rebbe. Il est fchard, il est choliot. Répond Tosfot, veyesh lomar, de ksayam itkavel likrot achet, koreot ha-shapir, al-yedei
Torah. Aval lo haya bekal. Donc, Béhémet dit tout sot, quand Rabbi Chia il fait l'effort, il va arriver à prononcer correctement le chet. C'est juste, quand il ne fait pas l'effort, ça ne marche pas. Comme ça explique le Birkei Yosef, les leçons de la Gemara, Kshata Magia et c'est le Vechikiti. Pourquoi il a dit Kshata Magia? Pourquoi il n'a pas dit Kshata Kore Vechikiti? Parce que s'il est Kore avec Achana, alors là il peut se préparer, il fait attention, il prononce bien le chet. Mais s'il ne fait pas Achana, c'est là qu'il tombe. En quoi pas même si on va dire, comme il dit, les Taz, le Siman Koufrafret, qui de Ange Hiro, c'est pas gênant s'il ne fait pas bien la différence entre les Khet et les Aïn, pardon, les Khet et les Hei, ou les Aleph et les Aïn. Alors, c'est pas gênant. Il y a Choliot qui, quand Rabbi l'a nommé Rabbi Chia, Shlir Tzibur, c'était dans une ville dans laquelle tout le monde, ils ont eu cette mal de prononciation. Comme ça dit le Rachash, que Shriach de Anche Roussia, Shekorim le Aïnin Alfin. C'est presque tout l'Ashkenazim qui ne font pas bien la différence entre Aleph et Aïn. Donc, le Rachash, il dit, chez nous, c'est Shriach, et quand même, on a des Baalei Tfilot, on a des Shlichei Tzibur. Et c'est pour ça que ça passe. À quoi parle-t-il? Et c'est ma discussion entre Rabbi Chia et Rabbi Shimon ben Rebbi, elle est étonnante. Elle demande un verrou. Alors, le Khatam Sofer, il explique ça qu'il explique, et je vais vous dire Kitsur Dvarav, parce qu'il faut bien voir tout ce qu'il a dit, mais on n'a pas le temps pour ça, c'est long. Kitsur Dvarav Mukaha. Et c'est Rabbi Chia, il a pensé que Rabbi Shimon, le fils de Rebbi, il ne doit pas devenir nazi. Et c'était son façon délicate, son façon noble de dire que si tu étais Lévi, tu n'étais pas saoul. Ça veut dire qu'il lui dit qu'il est balmou. Et il y a un din qui nazi, c'est le Sanhedrin, ça veut dire que nous qui sommes colmou. Il n'a pas de rambam. Donc il voulait lui dire que malheureusement, il faut qu'il se prépare psychologiquement à l'idée qu'il n'est pas raoui les messieurs. Alors, Rabbi Shimon ben Rebbi est allé voir son père, il lui a demandé, est-ce qu'il a raison? Est-ce que la voix grave, elle compte comme un mot? Il lui a dit, Rebbi, non, il se trompe, ce n'est pas un mot. La Gemara tire ça de Pasuk, Kulach yafar ayati umum enbach. De là, on tire qu'un cher Sanhedrin, les membres du Sanhedrin, ils n'ont pas le droit d'avoir un mot. Il lui a dit, Rebbi, ça, ce n'est pas un mot qui peut être membre du Sanhedrin, et ainsi aussi. Mais lui, par contre, il a un vrai problème. Pourquoi il a un vrai problème? Parce que la Gemara dit que celui qui ne sait pas être médaillé avec des bourreaux, il ne peut pas être mouré au roi. Rabbi Chia, il s'est préparé évidemment pour être mouré au roi, pour pouvoir trancher dans la route. Mais il dit à Rabbi Chia, par contre, qu'il lui a un problème sur lequel il doit travailler. Quel problème? C'est qu'il ne prononce pas bien entre les chet et les hei. Et la Gemara raconte là-bas, dans Sanhedrin d'Afaïn, à Moudbet, histoire de quelqu'un qui l'a parlé de Mei Beitzim à la place de Mei Betsahim, parce qu'il ne savait pas prononcer justement les Aïm. Donc ça a entraîné une confusion grave entre Bedinim qui n'ont rien à faire l'une avec l'autre, et c'est de là que la Gemara tire là-bas la halakha, qu'on n'a pas le droit de placer comme Mouré Roa quelqu'un qui prononce mal. Il y a un mot qu'on dit au nom de Gwen, et je l'ai vu aussi au nom de Rabbi Frank Zalman Margaliot. Rovena Omer Yidbarer, c'est pas tellement important qui l'a dit, mais je vous dis les deux versions. Ou bien les Gaon, ou bien Rabbi Frank Zalman Margaliot. Marqué dans les Yerushalmi, qui Rebbe, il est arrivé quelque part, et il a vu les gens qui font Chinou Shabbat. On se marquait qu'il les a écrits en grand, Mechalele Amot Yumat. Et ça, c'est Teima. Pourquoi, à la place de leur parler, il les a fait une écriture? C'est quoi l'idée d'écrire? Alors, on dit là-dessus au nom de Gaon qu'il a dit justement. Parce que Rabbi Chia, il ne savait pas prononcer bien Chet He. Alors, s'il va leur dire Mechalele Amot Yumat, c'est-à-dire que celui qui fait des louanges au Shabbat, il est réhabilité.
Donc il ne va rien gagner. C'est pour ça qu'il a trouvé nécessaire de faire quoi ? D'écrire. Et quand il va écrire, c'est clair que c'est chet. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème. On sent bien en dégueu. Alors, il y a quand même dit ici. On revient de là, qui même quelqu'un comme Rebbe, qui était un ave, qui était vraiment pas quelqu'un qui cherche des cavodes, quand il a senti que c'est trop, alors trop c'est trop. Donc il ne faut pas tout accepter. Mais Rebbe, il a dit à ses enfants avant de mourir, il y a un qui était nommé Nassi, il lui a dit Néog Nassi Utra Baramin. Celui qui était nommé Rosh Yeshiva, il lui a dit Zrok Mara Batalvedu. Ça fait partie des pouvoirs. On ne peut pas toujours être en pouvoir et être gentil avec les gens. Si la personne est au pouvoir, il est au pouvoir. Et à ce moment-là, il faut qu'il réagisse comme un dirigeant. On vous dit Rabbi Akovendin, Chav que Rabbi l'anvetanouté. Rabbi il est anav, à Kol Beseder, mais quand il faut, il s'est tapé aussi. Al Kol Panim, j'ai continué. אמר אבונה, זבלגן לא יישא את כפיו. זבלגן, יש כמה פירושים כשכי ודיר זבלגן. לרשי למפרש, כי זה כלכר כיפלר טולטו. זה סימן לבי, כי לזה עיכול, שזה עיכול. רמבה מלדי, כי יהיה עם בב, כי סור צבוש. הלא לא יוסיף או פקיפס נשיאת כפי. והוא דאבי בשיבות אלי רבו לבי פריס ידי. Et pourtant, justement, dans la choule de Ravuna lui-même, il y avait un Kohen comme ça, qu'il a fait oui, Nesiat Kapai. Réponse à Oudash Beiroave. Pirouche, tout le monde était habitué avec cette Kohen. Donc, ça attirait plus l'attention des gens, et à ce moment-là, il n'y a plus le chachash des débits de la Souga. Tanami Achizav Legan Loïsaet Kapav. Oui, mais Yadash Beiro, Moutar. Si c'était l'habituel, tout va bien. Amar Yohanan Souma Beachat Meinav Loïsaet Kapav. Un aveugle avec une, qui même s'il est aveugle à une seule, il ne faut pas qu'il fasse une siat kapai. Même question, va où d'avez chez vous, t'es de Rabbi Yochanan d'avez Paris yadei, à où d'as biro avez. Tan yanam yach isuma beachat meinav lo isa et kapav, ime yadash biro mutar. Le ritva il amène des chiteux, si le suma bechte enav, il y en a qui disent qu'il a, il n'y a pas de problème. Parce que tout ce qui est grave chez le suma beachat meinav, c'est justement qu'il a une nez normale, une nez qu'il est anormal. Mais quand il a les deux yeux comme ça, ça y est. Et il y en a qui disent non, Souma Bechteena, Bevadaï ou Bevadaï, que ça attire l'attention des gens, comment est-ce qu'il avance vers la Nessiat Kapai, mais il n'est pas sûr de lui. Donc, parce que s'il habite ici, il est sûr de lui, mais là on parle de quelqu'un qui n'est pas de la communauté habituellement. Mais je te vois remarquer qu'il tout dépend si on peut remarquer qu'il est aveugle. Parce que des fois il y a des aveugles qui on ne les voit pas du tout de loin. Si on ne sait pas qu'ils sont aveugles, il n'y a pas un défaut physique, biologique dans les yeux. Rabbi Yehuda Omer, Afri Shayu Yadav Tzvot Loïsaïd Kapav, Tana, Imrov An Shayir Melachtam de Kalchmouta. Donc c'est toujours le même Khejbon, parce que s'ils sont tous habitués avec ça, donc personne ne fera attention d'avoir devant lui un Kohen pareil. Dit la Mishnah. האומר אין יובר לפני התיבה בצבועים. אם פרסון קידי מועה שפיפה לשליח ציבור, סי שפור דבטמו כולר. איפה אבסולי מוגז מטרו ונשלה בבלונש. זה כמו שקי שפה מועה שליח ציבור. אז האומר אין יובר לפני התיבה בצבועים, אף בלבנים לא יעבור. הוא הפל לי לסה, נופלו פר חזן, ממסי להביה, אה וגזלה בה, אה וקיטלי. בסנדל איני עובר, אסיל די כלווה פאפר שליח ציבור טונקי פורט סון סנדל, אף יחף לא יעבור. הוא אמר לי לספר שליח ציבור ממשיל יחף, פורקוואל הגמרא דה אקספיקל. העושה תפילתו עגולה, סכנה ואין בה מצווה. קונקן קרי לפבריקי סטפילין רונד, אן סדונג'רי, כלם לדונג'י, יקמה פירושים. Pérouche Echad, Omer Rashi Ben Noches de Flamedei. C'est dangereux parce que s'il va le porter sur la tête, il va se cogner en rentrant à la maison, par exemple, contre la porte. Comme les filets sont ronds, ça risque de pénétrer dans la crâne et de lui écraser le cerveau.
Et il y a un deuxième pérouche là-dessus dans les Arour. Et l'Arour, il dit que ça peut arriver au moment que la personne fasse tachanoun. Il va baisser la tête sur les bras et les tefilines amoulot vont pénétrer dans sa tête. Les déchassassos, je ne les vois pas très facile. Tosfot, il dit Bishata sakana lo tagina lava mitzvah. Velo yase lo nes kimo elisha bal knafay. Il est plein, Tosfot, azé. Tosfot, il dit comme ça. Si quelqu'un fait tefilin à goulot, il a un problème important. Pourquoi? Parce que s'il va sortir avec cette tefilin Bishata sakana contre les gouvernements, il a interdit les mises de tefilin. Et il aura sur la tête quel tefilin? Tefilin à goulot. Donc avec cette tefilin, il n'est pas mekayem et mitzvah. Et s'il n'est pas mekayem et mitzvah, alors les tefilin ne vont pas lui protéger. Mais il n'aura pas le miracle, jour, le miracle d'Elisha Baal Knafayim. Ayotim Rabbi Noutam, sous le sauveur, chez Kol Echad Mi'Israël, ראוי שיעשה לו נס כאלישה בעל כנפיים שלמקיים מצוות ומצוות נפש. זה מה שכתוב פה בתוספות הזה, מפורש. זה ראיה ברורה. אפשר להתיר עם זה הגונה. להתיר עם זה הגונה. על כל פנים, העושה תפילתו עגולה, סכנה, ואין בה מצווה. אבל התור האבן מקשה על תוספות, סיס את נסי, פורקוע אס קון אדוני אג'יסט לאגזום דתפילין עגולות. ונביאם פי דוני... Chaque psoul je mets tefilin, n'importe quel psoul je mets tefilin, il est immédiatement l'omekaïen, mais s'il n'est pas mekaïen, alors c'est pas médecine minasakana. Donc pourquoi d'afka c'est psoul d'agula? C'est un coup de des tourelles sur la tosfot. Et maintenant je vais vous dire un pérouche, que c'est Alder Hadrouche, qui était dit là-dessus par Amichon Feinstein Zatzal. Amichon Feinstein Zatzal, il a raconté, c'est les gens de Muskirov. Amichon, non. Amichon. Il a décédé il y a 2 ans, 3 ans, à l'âge de 95 ans à peu près. Amirle a dit Kara. Il a raconté Maïsé. Maïsé, c'est Abel Lodz. Lodz était une communauté très importante en Pologne. Communauté de riches, de Kahal Khashoggi. Il y avait des centaines de milliers de juifs qui habitaient là-bas. Je crois qu'il y a même. On peut penser même à peu près 1 million de juifs. Une ville très importante. Comprenez, il y avait là-bas un boucher. Qu'il a commencé à vendre dans son boucherie une velote. Et ça, c'était un grand prix de Sadgeda. Il a trouvé en Pologne un boucher juif qui va vendre des velotes. Il a fait ça à Befaresia, il ne se gênait pas. Alors les gens, ils sont allés, ils ont parlé, ils n'ont rien fait. Il était têtu et il n'a pas arrêté. À l'époque, Abel et Maïsle, qui étaient les raves de la ville, il avait déjà 92 ans. Un jour, il a dit aux gens à la choule, aujourd'hui on va aller tous chez les bougers et on va arrêter cette honte une fois pour tout. Alors tout le monde, ils ont suivi les raves. Mais quand ils sont arrivés à la boucherie, ils ont resté tous dehors. La seule personne qui l'a osé de rentrer, c'était cette vieille rave, 82 ans, avec une bouteille dans la main. Alors tout le monde, ils ont pensé que la bouteille, il est là pour se protéger. Pourquoi ils ont eu peur? Parce que les bouchers, il a chez lui dans la boucherie des outils de travail avec lesquels il peut faire vraiment des dégâts importants. À Klal, Rabel et Maïs, il est là, entré. Et dans la bouteille qu'il avait dans la main, il y avait de pétrole. Il a pris le pétrole, il a versé sur toute la viande qui était dans la vitrine, et dans le frigo. Mais qu'ils sont, il a abîmé toute la viande. Et le boucher, il était choqué. Il a dit, mais qu'est-ce que vous faites, Rabbi? Vous abîmez la viande. Le Rabbi, il a dit, oui, effectivement, chez moi, dans la ville, on ne va pas vendre des nevelotes au tréfonds. Il est sorti. Quand tout le monde a envie qu'il sort, chalet de gouffo, ils étaient très, très impressionnés. Rabbi, il a dit, Bémet, c'est quoi les sodes? Pourquoi le Rabbi, il avait le courage de rentrer? Pourquoi les autres, non? Il a dit, les problèmes, chez nous, elle est, qu'on essaye toujours justement arrondir les angles. Quelqu'un, il est rachat, il est fou, il fait des avérotes, il n'est pas bien. S'il est khatsouf, s'il s'est crié, qu'est-ce qu'on fait? On commence tous à se plier, à arrondir les angles, d'essayer de trouver des arrangements avec lui. Quand lui, il voit que nous, on est comme ça, et qu'on ne sait pas en clair qu'est-ce qu'on a envie,
Alors évidemment, ça coûte pas, elle devient de plus en plus grand. Mais une fois qu'on le dit, monsieur, ici, non. Voilà, stop. On dit les choses en clair, avec des ongles. Hein. Les ongles de Tfilin, c'est bien aiguille. Alors on lui dit à Denis, c'est comme ça, ici on ne vote pas des révélotes. Alors en vérité, lui-même, il sent qu'au moins il y a un message clair qui a été passé. Les autres, ils ont essayé de lui parler, ils ont dit, tu vois, pour les shalom de la communauté, ils vont nier, il ne faut pas faire des histoires, ça nous embête, sois gentil. Être gentil, ma gentil, rien avec la gentillesse. Mais Metsiout, et il faut savoir qu'il y a aussi Tfilato Agula, celui qui prend les mitzvot de la Torah, il les arrondit. Alors, ça canard, rien de la mitzvah. C'est juste le contraire. Tu te mets encore en danger, et mitzvah, tu ne fais pas parce que tu ne vas pas réussir à faire ça. Atkan de vrai, Amir Franklin, Rouy, Madvarin, le Michel Amaram, la Bait, je vais mener au bas. Le Michel Amaram. ולא בית שמימנו הוא בא. נחזור לענייננו. נתנה על מצחו, על פס ידו, si la personne il a mis ses tfilines sur le front, ou bien sur pas ידו. Pas ידו, c'est par exemple ici, sur la main, sur la paume. Ou l'autre côté, לא משנה. הרי זו דרך המינות. ציפם זהר, il les a enduits avec de l'or, ונתנה על בית אונקלי שלו, ou bien il a mis sur les manches de la costume de son veste. Arrête de derech chitzonim. Ça, c'est justement les derech chitzonim. Chitzonim, c'est ceux qui font les choses pour extérioriser. Voilà. Tfilin noir, ça lui dit pas. Il veut faire des tfilin un peu plus modernes, un peu plus chic. Alors, tzipan zahav, ça, c'est bien. Alors, je vais vous dire quelque chose qu'il a dit, Rabbi Ovadia Margaliot, qui est très mystérieux. Quand on lit la Mishnah, on a l'air de parler des gens fous. Quelqu'un va faire cette filine à goulot. Le deuxième, il va le mettre où? Sur la paume. Ma corée pas. Ces gens-là étaient des fous. Comment ils mettent de filine? Ils ne mettent pas de filine. Mais quelqu'un qui met déjà des filines, mêlés comme il faut. Alors lui dit, comme d'autres Mishnayot qui parlent des moments, des schmads, des dangers, de laquelle le gouvernement il a décréter des interdits sur le Kima Mitzvot, cette Mishnah elle parle aussi d'une situation pareille. Vous rappelez qu'il y en avait dans Maseret Rosh Hashanah une Mishnah qui a parlé de quelqu'un qui fait kiyot chauffard dans un tonneau ou dans une grotte. On s'est aussi demandé, il ne peut pas aller à la choule faire cette kiyot normalement, qui est devenu Adam, Roushaou, qui ne pouvait pas le faire. Ça explique en vérité très bien les Tosfot aussi, les Rabbeinu Notam, et tout l'union de la Mishnah. C'était un moment de décret dans lequel les gens ils ont eu peur de mettre des tfilines parce que c'était sakana. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient tfilines à goulot, parce que même les goyims, ils savaient que c'était pas des tfilines chérotes. Et ils ont voulu faire que min zecher le mitzvah tfilin. Alors il y a un qui a fait cette tfilines à goulot. L'autre, il a mis sur les manches de son costume. Le troisième, il a mis là-dessus de l'or. Mais chacun, il a cherché une solution pour faire mitzvah tefillin sans réveiller l'attention de qui? Des goyim. Il vient de dit, tout ça, c'est pas intéressant. On fait pas des choses tordues. Tu peux faire mitzvah tefillin kilchato vakacha. Tu peux pas, on n'a pas besoin de tes arrangements, de tes échanges, des alternatives. Il n'y a pas des alternatives. Ou bien on fait la mitzvah ketikuna, ou bien on fait la mitzvah shelo ketikuna. Mais de venir et de dire, avec ça, je vais remplacer, il n'y a pas de remplacement. C'est ou comme ça ou rien du tout. L'autre sourire. C'est quoi Shelo Ketikuna? Non, on ne fait pas Shelo Ketikuna. Ce n'est pas intéressant. On n'a pas besoin de tête au vôtre. On ne peut pas, on ne peut pas. Ça y est. À nous, Rahman n'a pas très. Ça s'arrête là. Et bien, vrai que c'est à Kalak Dola. Parce que, imaginez-vous que la Xéra, le Majal, elle va virer 50 ans. Et nos enfants et nos petits-enfants, ils nous avisent toujours avec El Tfilin à Goulot. On va penser que c'est ça, les Hido. Et vous connaissez les gens qui disent, chez nous on a fait comme ça. Chez nous on a fait comme ça. Dans le Shutraf Perlim, il y a une tchouva, je crois que je vous ai déjà dit cette tchouva, qui raconte qu'il y avait une ville entière, que les tulines des habitants de la ville n'étaient pas merobautes. N'étaient pas merobautes, n'étaient pas carrés. Une ville entière, toute la ville. Jusqu'il est venu sur faire Ashkenazi Erad, comme ça il raconte là-bas, il a commencé à faire des scandales. Et de dire, si Tfilin Merubot, ça va faire Moshe Mishinaï. On a fait un bécher la tam si l'Ashkenazi a raison. Et bien, il n'a pas raison.
Et pendant 21 Tzolama qui a raison, est-ce que les Pérouchilés qui jusqu'à là, ils n'ont pas été mécaniques sur le feeling de tout? Ou bien parce qu'ils ont pensé que c'est caché, alors à Kouzbouk, il va leur compter quand même comme un mitzvah. Alors il amène la Gemara de Souka, dans laquelle il y a marqué Imka Haïta Noeg, Lokiyam ta mitzvah de Souka, Liyamecha. Vous vous rappelez? Il amène cette Gemara là. Kamouvan, à la Chale Maase, il faut demander des rabbinim. Moi je vous raconte juste ce qui est marqué dans les Rafaelim. À la Chale Maase, vous demandez des rabbinim. Maintenant, Tsipam Zahav. Betsem, pourquoi c'est en béton? Où est le problème? Maïkpatli qui l'a mis sur cette filine un peu de l'eau. Ben, mais c'est joli. Idur mitzvah. Si la halakha de Moshe Mishnah est noire, c'est noir? Non, les filines, elles-mêmes, ils sont noires. Et il a mis là-dessus un peu d'or. Maïs. Mais qui dit qu'il y a une dinriya, ben, noir? Peut-être s'ils sont, oui, noirs. Alors, monsieur, j'y mets quelque chose là-dessus, c'est pas grave. Alors, il y a Rashi. Peut-être on va s'adresser d'abord chez Rashi, après chez toi. Dis Rashi. Si Panzav, Namiktiv, le man tiye Torah Hashem beficha, si y a kol mi beima Torah. Ça, c'est tout de Rashi. Parce qu'il y a maintenant un pasouk, le man tiye Torah Hashem beficha, alors, de même que j'ai pas le droit de faire les tefilines de la peau d'un éléphant. Je n'ai pas le droit non plus de faire des tefilines en or. Parce que ça doit être beficha, quelque chose que tu peux mettre dans la bouche. Alors déjà, Gdolé Achronim, ils sont maqués, avec Vaïgir et Rabbi Yehuda dans sa première tshuva. Je peux manger de l'or. Peut-être que ce n'est pas extraordinaire du point de vue alimentation, mais il n'y a pas d'issue de manger de l'or. Peut-être qu'il y a un problème de venir marter les nafsotechem, on ne le sait pas. Mais il n'y a pas Issur Achila, Bezav, ça c'est Vadaï. Donc qu'est-ce qu'il verra si, avec cette pasouk de l'éman qui est Torah Hashem Beficha. C'est de la vache. Comment? Comme si la vache en plus avec l'os, elle pense au vaudan. C'est pas Rashi, moi je suis avec Rashi. Les chutats qu'on devait interdire de faire de tefilin de bémot de gassot. En compagnie, Rashi, dans Sanhedrin, il y a beaucoup d'hétérotimes sur cette couche. Je veux dire, c'est lui qui me plaît le plus. Ça ne veut pas qu'il est plus vrai, mais... Rashi, dans Sanhedrin, il dit, sur Tzipa ou Zahav, justement, l'âme à tefilin, c'est Tzipa ou Zahav, souligne, dit Rashi, là-bas, à la chale manger du Sinaï. Alors, tout le monde demande, il y a ici un stir entre les Rashi. Rashi, il dit, Mishum Amoutar Beficha. Et Rashi là-bas, il dit que c'est la Chalam Shemi Sinai. Alors, Mishum Feinstein, dans Yoré de Achel et Gimel, Simon Kouf Tedzaïm, Hot Bet, il dit que, justement, c'est la même chose. Rashi, dans Sanhedrin, il complète les Rashi d'ici. Pirouche. Les man qui est au Rata Shemi Beficha, normalement, on aurait commenté quelque chose qui est Moutar ou Assur Bachila. Mishum Yoré de. Il y a là le chalon sur le Sinaï le Mechadesh, que ça doit être aussi quelque chose qui les raouille l'achila. Parce que même des pasouk lui-même, j'aurais dit seulement que ça doit être kacher. Il y a là le chalon sur le Sinaï le Mechadesh, il a élargi le sens de l'élément qui est Torah Hashem Beficha, jusqu'où? Jusqu'à dire que si les aves, ils leur raouillent l'achila, c'est qu'un pasouk. Comme ça dira M. Fanch. Voilà. Non. C'est ça là, la chalon sur le Sinaï, qu'il est mefarech. Qui, tfilin, ils sont cachés uniquement avec ma théorie. Et c'est ça la kavana de l'éman qui est Torah Hashem Beficha. De toute façon, tu es obligé de dire qu'il y a une la chalon sur le Sinaï dans les coins. Lama. Parce que si on aurait dit que c'est juste une question d'être achila, alors il faut se demander pourquoi on ne peut pas faire des tfilin d'un pomme. Il est bechlet caché à l'achila s'il n'est pas hors là. Et si on a prélevé, trop on tombe à la sorte. Donc, Mouchrach, c'est ça qu'il a dit ici, c'est d'après un raïa, M. Feinstein. Rashi dit, l'Alchan, c'est un effarech, qu'il est manqué à Torah, c'est un effarech, il dit comme ça. Aleph, ça doit être Béima, et l'autre devoir faire, et Bet, Béimot, gam, l'autre devoir. Il a marché moutard, l'échon, c'est Béima Théora, d'Afka. Parce que sinon, je sais que c'est Béima. Alors, je commence la Gemara, demande la Gemara Maïta Ama.
Pirouche. Pourquoi est-ce quelqu'un qui élevait, comme la Mishnah il a dit, Bgadim Levanim ou Sandal, pourquoi est-ce qu'on ne va pas lui laisser faire Chazal? M'achpat là, nous aussi, lui a un goût un peu bizarre dans le textile. Il veut la vanne, j'ai la vanne. Réponse, Raïchina, j'ai ma minute misère, Kabo. On a peur hein, qu'il lui a rentré dans la tête quelque chose de pas bien. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas porter des vêtements comme ça. Donc on préfère de lui éloigner. Rambam, il dit dans le Sefer qu'il est nifsal rak l'otat fila. Mais il n'est pas nifsal tamid. Parce que s'il ne se comporte pas toujours comme ça, on pense que peut-être c'est juste à ce moment-là que quelque chose lui a traversé la tête. Ça, c'est la leçon de Shema Minut Nizrekabo, dit le Netziv. C'est Khashash Be'alma, mais Nizreka, c'est juste une goutte. Par contre, je vis au nom de Rabbonim de Pshisra qui l'a dit, c'est quoi cette leçon de Nizrekabo? C'est comme la date que Rabbonim Pshisra, il était pharmacien dans son métier. Avant qu'il devienne rabbin, il était pharmacien. Et même après, il a continué un peu à faire ça, pas pour l'argent, pour aider aux gens. Il a dit Nizrekabo, en leçon à Kodesh, c'est comme Nizrekbo RS. Une injection en ivrite qui s'appelle Zrika. C'est-à-dire qu'il compte, on injecte un produit, ça peut être une toute petite quantité, quelques millilitres, et ça peut tuer la personne. Ça, c'est une minute. Si on a Nizrika Boma, minute. Parce que c'est le Yesod qui minute, c'est tout petit, et cette minute toute petite, elle peut tuer carrément la personne. Alors, cette filato à Goula, ça canave en ma mitzvah. L'aimat nina la de tanou rabanan tfilin mirubot à la chanan Moshe Mishinai. Alors peut-être la Mishnah, elle va nous montrer que ça qui est marqué dans la Braïta, il est vrai. D'ailleurs, c'est ce qui est merouba, de kolat dadin, b'alachson, Rachel dit, etzba, etzba, si y est, b'alachson, etzba, v'shnei chumshin. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on coudre les tfilines de ne pas abîmer leur tsoura. Répondent, la Gemara, et Dilma, alors papa m'a dit, David Akiam Gouza. Il y a des tsurot, des agol, il y a agol le gamre, comme une noix ou comme une F, et il y a agol qui est un peu agol, comme une lentille, comme ça. Comment? Ovale. Alors quand c'est ovale, ça peut être encore, mais rouba aussi. Kamash Malan, qui ne sait pas bien non plus. Mais ça, c'est pas chouette. Qui est Gozou Kebeitza, ça ne marchera pas. Dit la Mishnah, Omer et Varchou Khatovim, Arei Zeder Khaminut. Lama, dit Rashi, Sheino Kolel Rechaim, Beshifro Shel Makom. Vechachamim Lamdou, Mechel Ben Asherecha Ra, Omenaa Katou, Ben Samemane Aktoret, Shematzrich Anakatou, Beharzaatam, Liotam Bagudacha. Et un din. Qu'il faut que les Rechaïm aussi vont lui acheter. Donc celui qui dit Varou Khatovim, c'est comme qu'il veut éloigner les Rechaïm. Donc Rabbi Yonah sur Barachot, il a marqué Aomer Varou Khatovim, ça veut dire que la personne, il dit celui qui va bien, il va bénir Hachem. Celui qui va mal, il n'est pas tôt. Varou Khatovim, c'est celui qui, sa situation, elle est bonne. Et ça, c'est derrière minute. Parce qu'il faut remercier Akadosh Barou sur la Tova, comme on les remercie. Alors, celui qui dit « Al-Kan Tzipo Yagiu Rachamecha » il demande à Kadosh Baruch Hu que de même qu'il est rachami, qu'il a pitié sur le Kan Tzipo, comme ça il aura rachamim sur nous. « Ve'al Tov Vizacher Shmecha » et il dit « Je te remercie pour ta bonté. » Et là, il dit que c'est d'Afrique quand il est coréen, quand il se baisse comme ça, quand il se baisse la tête, alors c'est là qu'il dit Al Tov Yizakher Shmecha, ou celui qui dit Modim Modim, des fois, Meshatki Moto, on va lui faire taire. Amechane Be'arayot, Meshatki Moto. Amechane Be'arayot dit la Gemara, qui compte la Torah, elle parle Be'arayot, c'est la Vdavka. Le Moshal est marqué, Erva Tavicha Vimcha, Lot Egalé. Alors lui, il veut dire que la Kavana de la Torah, elle est qu'il ne faut pas faire honte à son père et à sa mère devant le grand public. Même s'il y a des choses pas bien de raconter d'elle, il faut se retenir. Donc il est carrément en train de renverser les sens pshat de la Torah. Et donc, avec ça, il va gagner, entre guillemets, qui celui qui fait guilou et rayot avec sa mère, il n'est pas tout, mais celui qui va faire honte à sa mère,
Il est khayab. Ça, c'est quelque chose qui est insupportable. האומר ומזרחה לא תיתן להעביר למולך, לא תיתן לעברה בארמיותה, משתקים אותו בנזיפה. סלי, כלבדיר, כי מזרחה לא תיתן להעביר למולך פירושו, כי פופה אפוזה אינגויה. אז כסי תיבה אפוזה אינגויה, תיורה עד אל אל פיס, איזה פיס אל ריסק דדבניר, ג'יסטמו אין פרודוי פור למולך, alors, mais chaque qui m'entend bénézifa, il faut lui calmer tout de suite, il faut lui gronder en même temps, parce que de nouveau, il va faire quoi? Que celui qui est chayav, il soit qui? Celui qui va aller avec la goya, il est chayav mitat beidin, et celui qui est ma'avir mizaro la molech, il est pas tour. Et ça, c'est pshita, ce n'est pas le sens des pasuk. Mais qui tour, les commentateurs libres, ils sont refusés. On ne peut pas commenter les psukim comme on veut. Bien, Gmara. Bishloma modim modim, on comprend que c'est pas bien de merci qui j'te réfugiot. C'est comme qu'il y en a chas v'shalom de Dieu. V'al tov izacher shmechanami, demas mal tov in v'al ralo. V'etnaam chayav adam l'varech ala rak, shumishum l'varech ala tova. Ela, al kam tzipor yagiu rachamecho amaitam alo. Qu'est-ce que ça nous dérange de dire qu'il y a kadosh baruch hu il a rachmanut sur des oiseaux. Bemet, il a rachmanut sur des oiseaux. L'idi batre amoraï b'marav ha'en machlok et entre des amoraïm en Eretz Israël, Rabbi Yossi Barabin et Rabbi Yossi Bar Zvida. חד אמר מפני שמטיל קינה במעשה בראשית. יען כי ידי, פסקסי עונדי כי הקדוש ברוך הוא לרחמים סיר לזועזו, סימש מקילה פר רחמים סיר לרינוסאורוס, את פוקו הפר. ואחד אמר מפני שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, ואין המלגזרות. פירוש הוא נפל לדרועה דפרון לדין בשילוח הקן, ידידי רונה קומפרי כי לרזון אלה רחמנות. Et même si, quand on fait ta'amé à mitzvot, on a le droit de proposer ça comme une explication, mais on n'a absolument pas le droit de faire de ça un tfila, parce que la tfila doit être quelque chose qui est net, qui n'a rien à faire avec des perufim et drachot. Mais Achiloch, il dit là-dessus, c'est très fort et très fin. בשעת התפילה אין לו לחטט במטמוניות רבו. זה כמו כי עושמי אומפוזיציון די גלית ערק רז וחונדי. עונה בין קומפרי, את ידי על כאן ציפור, לא תיקח את הים על הבנים, כמו כאן הקומפרי, כי תיעד למיזה ריקורד. אלא, נו עושי עונה לה. בסדר, כי הוא כמו שעתקי הקדוס ברוך הוא, כמו כי עונה, את נותרי בפרלה בדברי תורה וכלוי. זה זה פעם פסון די תפילה. לתפילה זו הייתכם רבה קרמו, et c'est rabaissé à 100% devant Kadosh Baruch Hu, et la tfila, elle est le mal à Mikol Amidot. Ça n'a rien à faire avec tous les comportements humains qui ont été expliqués. À Kol Panim, Chad Amar, Mipnei Shemitil Kinam Masé Bereshit, et Chad Amar, Mipnei Shosé, Midotav, Shel Kadosh Baruch Hu, Rachamim, et Inam Ela, Gzeirot. Agra, le Gaon de Vilna, il a dit, sur deux mitzvot, on a trouvé dans la Torah, מה אני אריך ונעמך? אין זה כיבוד אביהם, אלא זה שילוח הקן. כיבוד אביהם, זה לטופ דה לרקונסנס, דה לרחמנות, כי הם דו אבואר, זה ספרון, קונטיבי, זה איזון בזמן דנו, אצטרה, אצטרה. שילוח הקן זה נחזריות, זה נקריותה. פסקי, און רמבואה למהר, אל קומפרונט רביין, כי אין ופלו יבואר, זה פטי, זה נורא. Donc, quand on fait des sams et tout à fait la Kouzbor Rachmim, c'est de mettre l'Ikhora le Hefer. Il dit les Gaon, justement, c'est ça le Maniarich Namecha. Parce que nous, on n'a pas le droit de travailler par sentiment. D'ailleurs, de décider qu'il faut être tout le temps Rachaman ou qu'il faut être tout le temps Kriyen. On doit être Rachaman quand Akados Baruch Hu nous demande d'être Rachaman. Et on doit être dur et fort quand Akados Baruch Hu nous demande d'être dur et fort. Comme on a vu dans l'Aftara, on va voir dans l'Aftara des Parshat Zachor, Shaul HaMelech, il a été Rachman, quand il ne faut pas. Et c'est avec ça, il a perdu tout. Il n'était plus Melech, il n'était plus rien du tout. Aoud Enachit Kamei de Rabba, il y avait un Shliach Tzibur qui l'a fait la Chazara devant Rabba. Amar, Ata Chasta Alkan Tzipor, Ata Chus Verachem Aleinu. Donc il a dit ce qu'il a mis, dit qu'il ne faut pas dire. Amar Rabba, Kamma Yadaim, Rabbanan, le Retsu, le Mari, qu'est-ce qu'il parle bien avec Akadosh Baruch Hu?
Marle Abaye et Amishatkin au Totnan. Mais pourtant, il y a marqué dans la Mishnah qu'il faut lui faire taire et toi tu commences à lui faire des compliments, tu devais lui faire taire immédiatement. Réponse, le rabba le chidou de l'Abaye ou de Baye. Rabba, il a voulu voir si Abaye, il se rappelle de la Mishnah. L'histoire Tamoua, on a déjà expliqué quand on a fait Brachot, on ne va pas revenir là-dessus. Le chidou de, c'est quand il y a une question de finesse. Ce n'est pas une question de finesse, c'est savoir si Abaye il connaît Mishnah. En plus, c'est une Mishnah qui se manifeste deux fois, une fois dans le Sefer Brachot, une fois ici. Ce n'est pas comme ça qu'on va vérifier si Abaye il est mechoudad, s'il est bien aiguisé. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'il veut savoir si elle est mechoudad ou pas? Non, ça c'est le chiyuv des Rav. Rambam il dit, b'ilchot ha-motora, c'est le chiyuv sur les Rav, de temps en temps de poser à ses élèves des questions pour vérifier leur niveau. Faire un mifranim, le kitsour, comme ça dit Rambam. Ça on a fait quand on a fait Brachot. Aoud en achit kamei de Rabbi Hanina. Amar, Akel Agadol Adibor Anora Amitz Vachazak Adir Achazak Vachamitz. Donc il s'est étalé avec des langages différents. Amar les Siamtinu les chiffres de Marach, qui a déjà terminé tous les chiffres qui a dit de Akados Barro. Ashta Anit Lata, ça veut dire Akel Agadol Adibor Vanora. Il a de Katvinu Moshe Beoraita, sinon qui Moshe Rabbeinu les a écrits dans le Chumash. Et à toi, Amshe Knesset Agdola Vetakninu, et Amshe Knesset Agdola, ils sont venus pour les. Établir dans les textes de la Tfila, Anan, l'Omrinalou. Nous, on n'aurait pas osé le dire. Vea, ta marde coule aïe, et toi, tu dis tout ça. Machal, le Adam, ça y est, le falfé à la fin de Dinarezav. Il avait des millions et des millions de Dinarezav. Vaïu, me calcimoto, be elef Dinarekes. Et on est en train de dire aux gens, vous savez, celui-là, il porte, il a pas mal de Dinarekes. Donc, on lui fait honte en vérité. On lui rend plus petit que ça. L'og naïu, l'or. Ma vichanina kol bidei shamayim. Chutz mirat shamayim. Tout est entre les mains d'Ao. Sauf une source, irat shamayim. Irat shamayim, ça dépend de qui? De toi. Val, on dit ça au nom de Chidushiarim, de Kotskerebe, mais le maïs marqué au Sefer Chassidim, c'est un kouflam et d'Alef. Ça dépend de toi. Mais si tu vas te mettre à prier pour avoir irat shamayim, sûr, on va te donner. Fais être sûr de ça. C'est Baruch qui ont dit ça dans la Tfila. Parce que dans la Tfila, on dit donc on voit bien qu'on n'imite pas le Sire Irat Shamayim. Alors c'est la Kavana. Quand quelqu'un il veut qu'il a Irat Shamayim, il va descendre tout seul, ça ne marchera pas. Mais quand quelqu'un il n'imite pas le Sire Irat Shamayim, Irat Shamayim, il peut être sûr qu'on va lui donner ça qu'il a demandé, qu'on s'est marqué dans Sefer Chassidim, Siman Kouf, la Védalef. שנאמר ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם לעירה. דוק משה רבינו ידיע מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי יש כי הקדוש ברוך הוא ילטון דתואה, ילטון דתואה לעירה. זה בדיוק כי ילטון דתואה. זה בדיוק כי לטרווי דל העירה, אל דו אבניר דקוטט דקי, קוטט לפרסון. אפשר כי לבל המציאות דדיר תוג'ור שעושה דמעה. אבל בין דלה, כי לעיקר העבודה בניד, זה דאופטוניר לעירה. Que c'est ça, ma chemin, ok, rassurez-moi. C'est ça qu'Akouj Borou, il te demande. Et il a dit plusieurs fois, à chaque fois, une autre façon, mais toujours dans le même style, qu'on peut être un bon orthodoxe, barbe, épée haute, chapeau noir, et d'avoir rien avec Yiddishkeit. Quand on ne travaille pas sur l'Aïra. Et cette Ira, il faut travailler tout le temps là-dessus, sans arrêt. Parce que si on s'arrête, alors on la perd, facilement. Par la tfila et par d'autres moyens qui sont les bonnes de l'Arsov. Rambam il explique, mais qui t'a dit à Derek Lirato. Rambam il explique bien, il faut que la Torah, il faut que l'autre. Demande à Gmara, mais c'est ma chère, mais il marque l'Ira. L'Ira c'est un petit truc. Mais Klal de Ira, mille t'as tout traité. C'est une toute petite chose, c'est énorme l'Ira. Qui c'est qui peut dire de lui, Ani Ere Shamaï? D'ailleurs, le Panim Yafot, il dit, quelqu'un qui a l'Irat Shamayim, il a le droit d'être mitpa'er là-dessus. Je veux dire, de se louer. Lama, parce que l'Irat Shamayim, ça vient grâce à son travail. Donc là, il dit ici, c'est l'obligé Shamayim. Quelqu'un qui a de l'argent, le Machal, il n'a aucune raison de dire, ah, je suis fort, je sais faire de l'argent. Quelqu'un qui a de la Chokhma, il n'a pas le droit de le dire.
לנביא די, אל יתעלה לגיבור בגבורה טוב, אל יתעלה לחכם בחוכמה טוב, אל יתעלה לעשיר באושרו. כי אם בזאת יתעלה למתעלה, להשכל וידוע אותי. מה זה השכל וידוע אותי? זה להעיר. ממילא היא להקספיק על אקסדום, הפרשה מי כסקי לדי יוסף, את האלוקים אני אראה, יוסף היא לתת תוף ירדלי, ששוי יראה אלוקים. בקיצור, לגברה אל דמונד, אסקי להעירה, זה תו פטי, רפונס אין, אוי, זה תו פטי. לגבי משה רבינו מילתא זוטרתי, פור משה רבינו זה אין תו פטי שורז. משל לאדם שמבקשים ממנו כלי גדול ויש לו, דומה עליו ככלי קטן, קטן ואין לו, דומה עליו ככלי גדול. תו דפון בקי, יסתזיר. אדמון תולמון, מה התירוץ? משה רבינו יתפרלה וכלי מהם, הוא יתפרלה וכנו. יתפרלה וכנו. וכשיתפרלה וכנו, הלא עושה כועסה. מה? פורנוס הרס גרון. הלא, יש על זה הרבה תירוצים. ינקי דיז, כלדור קיטה הקוטה במשה, גרסו משה רבינו, מן פרפור האש את הדבר קטן. זה עושה לגבי משה, לגבי משה שלי כאילו, אגב משה רבינו, שלי כאילו הכותב משה רבינו, שלי כאילו מדבק באדם כמו משה רבינו, הלא ראי לכפיו גבוהר עירת שמיים. זה עושה לפירוש כלעדי לגאון. איזה פירוש ימרכה נו להקדמה דרבי צלב וולוז'ינר או נפש החיים. זה היה מרכה כמוסה. זה מרכה דונדות ספרים, הפפרד, למען מניר. לעיקר פור עירת שמיים זה בעת ענב. קלקל כמוגד לענבה עם פפה יתירי שמיים. משה רבינו נתה ענב מכל האדמה של הפני האדמה. זה יודע כי לפונסי כוח, כי לי למועד ותולמוד. לא כי לתשיר כי פרפור הזאת, בוודאי כי להירת שמיים שאו קורפי פסיל כי פרולי. כמוסה ילדי רבי צלה. עונדי ענון דרמיך לבקוביץ' כי ילדי כמוסה. להגמרה ילדי סובו משה שפיר כי אמרת. זה יודע כי שקת מתחוכן, אלי בבחינת משה. לגבי משה, מילתא זוטרתא היא פירושו, כי תו שלי כי לעמל בתורה היא פה אופטוניר, רלטיב מו, פסיל מו, לעירת שמיים. סיון העמל בתורה, סיון העורי, אומפי עבור עירת שמיים. מאיפה עבור עורי עושי? כי ענק שם לכאורה עמלים בתורה, היא שרשפה לעירת שמיים. לקונטרר, סלז ארון שביין, ונפה את עירת שמיים. דונק שסע, גם רואה על ההגדרה דרב שח, כי אומפי את בן ישיבה, אין אפרה רק ישקעית. אמר רבי זירא אומר שמע שמע כי אומר מודים דני, כי אומר מודים מודים דני. ואין כי אונה אינטרדית אונה משנה לדיר דפוע מודים, אונה אינטרדי עושי לדיר דפוע שמע. מייטווה הקורא את שמע וכופלה הרי זה מגונה. הוא נביא כשלי כיפה לשמע דפוע היא למגונה. מגונה הוא דעה וישתו כלא משתקין עלי. דונק הוא מבין דלה כי היא למגונה, זאת אומרת זה פבון, מה הוא מפה להיפרטר. תודיס כי דולה משנה נדים מודים מודים כסכם וליפר, משתקים אותו. דילה הגמרא לא קשה, עד אמר מילתא מילתא ותעני לה, עד אמר פסוקה פסוקה ותעני לה, הספיק רשי. ציבה דרמות המור, יפת פרובלם, זה אידיו, צידי, שמע, שמע, ישראל, ישראל, אוקיי. וסיל דיטו לפסוק, אפריל רו קומוס אדיר לפסוק, ילדיו נומתי את דפואה, לה זה נראה כשתי רשויות. לגאון ידי כי פירוש רשי למדויק, אז כי המרכה כופלה, בלשון מקיבה. כופלה זה תיבה. זה מילה. תודיסקציון ואולי פרלה דה פסוק אונותיון דה בגיר וכופלו. סיום פרל דה פסוק. פוקש דיסה, אז כי יהיה פירוש הפוך מהפירוש הזה, אבל רשי למסביר כמסע. לכל? La relation avec l'Irat HaShem, c'est-à-dire que c'est l'Irat HaShem, mais la relation avec les gens, comment elle passe? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Amar le Rav Papa, le Rav, avait dit ma mi'ikara, l'okivenda atei, ve'ashta keivan datei. Peut-être la raison pour laquelle il a dit une deuxième fois, c'est parce qu'il n'avait pas de kavana. Amar le Chavruta klapeshma, moi, c'est l'okiven. C'est une devoir, c'est l'okiven. Ça, c'est une terouz. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est son ami. On parle avec quelqu'un sans réfléchir. Il l'a mechaven d'ate, s'il n'est pas mechaven, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Machin alei be'arzafta de nafra. On va aller chez les forgerons, on va chercher les marteaux les plus grands qu'il a, on va les taper sur la tête, ad de mechaven d'ate. C'est comme ça qu'il va bien avoir de la kavana.
המחנה בעריות משתקים אותו, עושה קוואה, תן הרב יוסף, קלון אביו וקלון אמו. האומר מזרעך לא תיתן להעביר למולך, תן אדוי רבי ישמעאל בישראל הבא לקוטית, ווליד מן הבן לעבוד הזרה, כתוב מדבר, שזה כגיל הפרסון. עשה שתורדי, פסקי שזה פסה לכוונת לתורה, קונטל פרדשה. שהוא דירון כמה פתישו, זה יובסר את אלה פה, זהו די. הכל בידי שמיים, חוץ מירת שמיים, תוספות למה כשאישי, הרי מה כתוב בגמרא, הכל בידי שמיים, חוץ מצינים ופחים. צינים של פרועה, פחים של השלר. למה פעם זה הכל בידי שמיים חוץ מירת שמיים? כי מתארץ להציא תוסות מה שמתארץ. הוא דבר לתוסות תוסל, זה פעם זום דמו הפרסה. אבל הבינה לאיטים למתארץ ככה, צינים של פרועה, פחים של אישור. אסס היא ירת שמיים. דיינו, דת פרועה קונטיפו, דת שו קונטיפו. בדרך כלל, אנחנו פונקציון קונטרר, אני פרועה קונטיפו פעם, אני שו קונטיפו פעם.